Tous les fils d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Lorsqu'on voit des personnes commettre des péchés, certaines personnes se permettent de venir leur dire « Mais si tu continues ou commets tel péché, ça ne sert à rien de prier. » Heureusement qu'on n'écoute pas lorsque la moindre personne parle, en disant vouloir nous conseiller. Car sinon on irait vers notre propre destruction, et peut-être pour l'éternité. Selon l'imam Ahmad, qui rapporte d'après Abu Huraira, un homme va voir le prophète alayhi salatu wassalam en lui mentionnant le cas d'un homme qui priait la nuit, mais qui volait durant la journée. Ce à quoi le prophète alayhi salatu wassalam répondit, « La prière va l'en éloigner. » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. » En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Selon les Mufassirin, le fait de réciter le Coran en s'appliquant à la prononciation des mots, en recherchant leur sens et leur signification, celui qui récite, lorsqu'il médite, par la lecture répétée du Coran, celui-ci découvrira des choses qu'il ne soupçonnait pas la première fois. L'accomplissement de la prière n'est pas de le faire rapidement, avec précipitation, comme une personne qui voudrait simplement se débarrasser d'une responsabilité. C'est le fait de rechercher à prier aux heures prescrites, en respectant les lectures, inclinaisons, prosternations et chacune des obligations. À nous donc de tout d'abord chercher à connaître scrupuleusement chacune des règles de la prière, en termes de piliers, conditions et obligations, mais aussi en méditant les versets que nous prononçons. Dans sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint à prier 5 fois par jour, permettant qu'on se rappelle de lui. Et celui qui prie avec sincérité, en étant dévoué mais aussi concentré, petit à petit, réussira à arrêter ses péchés. C'est pour cela qu'on voit certaines personnes qui prient durant des années et continuent ou persistent dans certains péchés. À ce propos, Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, dans la prière, il y a des interdits et des mises en garde contre la désobéissance. Celui dont la prière n'ordonne pas le convenable et n'interdit pas le blâmable, alors elle ne fait qu'augmenter son éloignement d'Allah. On doit donc tout au long de notre vie regarder lorsqu'on a du mal à avancer ou qu'on persiste sur un péché, si en nous-mêmes quelque chose n'est pas en train de clocher. Est-ce que je prie avec ostentation pour que les gens disent de moi que je prie, ou je prie pour satisfaire mon Créateur, qui me donne sans effort de ma part chaque chose qui m'atteint et qui m'a donné la vie?